what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world. J'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui, dernier jour de la semaine, et ensuite long week-end puisque lundi on est férié. On a une belle journée aujourd'hui, on dirait qu'il va faire beau comme hier, mais je pense qu'ils annoncent de la pluie pour ce week-end. J'espérais un petit peu qu'il fasse beau pour dimanche, pour que... parce qu'on va être beaucoup à la maison, donc je me suis dit on pourrait ouvrir s'il fait pas trop froid. Enfin, la maison, on a vite chaud, hein. Dès qu'il y a du monde ou quoi, elle est tellement isolée qu'on a même tendance à ouvrir quand... enfin, même en mois de décembre, quand c'est, mettons, Noël ou quoi, voilà. Donc je me suis dit, hein, peut-être les enfants, ils auraient pu aller sur la terrasse, on aurait pu allumer un petit braséo, on aurait pu aller sur la petite... voilà, boire un petit... quand on a un petit peu trop chaud, boire un petit verre sur la terrasse. Mais bon, je crois qu'il s'annonce. On verra ça. On va croiser les doigts pour qu'ils se sont trompés. là, j'étais en train de... Enfin, je viens de monter mon linge. Je viens de le ranger. Le plier, le ranger. Je pense qu'il doit être... Ouais, il est presque 10h. Il est 9h moins 5. Ma journée a déjà bien commencé. Mais comme les enfants... Stacy dormait encore, là. Et ben du coup, je traînaille en peignoir. Je prends ma douche et je traînaille en peignoir. Alors, là, j'étais en train de ranger mes produits que j'ai achetés hier à Leclerc. Hier, je les avais juste posés comme ça. En fait, pour gagner de la place dans mes armoires. Alors, j'achète quand il me reste un fond. Dans le... Vous voyez, comme là, les petites billes, il restait un petit fond. Et souvent, les bouteilles, elles sont jamais pleines. Ils m'ont des grands contenants et en fait, il reste tout ça comme place. Donc, du coup, moi, pour gagner de la place dans mes armoires, je transvide dedans. J'ai fait pareil aussi avec... Oh, du coup elle est bien pleine, elle est lourde. Ma bouteille de lessive, je transvide comme ça, je vide une bouteille. Et là j'étais en train de transvider mon pergamote. En fait j'ai un ancien, j'avais acheté celui-là, la marque Paulette. Il est bien hein, mais celui-là, c'est le même produit puisque c'est un produit naturel, donc c'est la même base. Et il est beaucoup moins cher, comme je vous ai dit, j'ai payé même pas 5€ pour 1 kg. C'est le prix de celui-là pour 250 grammes. Ouh, la lumière elle fait des drôles de trucs. Qu'est-ce que tu fais? J'aime pas quand ça fait ça, j'ai toujours peur que ça explose. On va éteindre. À mon avis, elle doit être mal vissée ou quoi. Bon, mais du coup, je transvide. Et puis ensuite, le programme aujourd'hui. Ce midi, c'est un Pokéball. Ce soir, c'est des keftas de bœuf avec un houmous que je vais faire avec de la jvar. Dedans et en fait je vais faire plus d'ajvar parce que je voudrais le proposer pour Halloween, pour dimanche soir. Donc du coup je vais en faire un peu plus. En fait je vous avais fait montrer hein, le pain en forme d'araignée. Je me suis dit que je pourrais mettre ça dans le cœur et faire le pain avec le charbon en fait, pour avoir pour que ça soit noir quoi, en fait. Voilà, l'araignée soit noire avec l'ajvar à l'intérieur qui est rouge, ça trancherait bien. Et comme j'en ai besoin pour faire mon houmous de poivron ce soir, voilà, je vais en faire un peu plus. Et il faut que je fasse, justement, en parlant d'Halloween, de dimanche, il faut que je fasse ma liste de courses, parce qu'on va sûrement aller faire les courses cet après-midi, pour que demain, je puisse prendre un maximum d'avance. On s'est décidé, bah oui, je vous l'avais dit, hein, pour le chili, justement pour ça, parce qu'en fait, du coup, je vais pouvoir, comme c'est le genre de plat qui est encore meilleur réchauffé, je vais le faire samedi, et ça va me débarrasser du plat, en fait, pour dimanche. J'aurai juste à le faire réchauffer. Je vais sûrement le faire dans le Ninja, comme la cuve est très très grande, et en plus, je pourrais juste le mettre sur position réchauffage ensuite. J'avais pensé le faire dans ma mijoteuse, parce que comme ça j'aurais pu directement mettre la mijoteuse sur le plat, sur le bar qui va se transformer du coup le coin café. À chaque fois on le transforme un peu en buffet. J'avais pensé à ça, mais bon après ça serait possible hein, que je transvide au fur et à mesure. Ce qui est, c'est que la mijoteuse est plus petite en contenance par rapport au Ninja, et là il faut vraiment que je fasse une belle quantité. Donc oui, donc ce matin, donc là je vais finir ce que je suis en train de faire, et ensuite je vais préparer ma liste de courses avec toutes les choses que je fais, et je vais finaliser mon menu et le noter du coup sur ma petite fiche invitation et tout. On fera ça ensemble, je vous ferai montrer. Déjà je vais aller finir ce que j'étais en train de faire, et puis après on fait ça avec un petit café.
J'avais fait une bêtise, j'ai tout renversé en voulant le mettre dans mon petit pot. J'ai tout ramassé. Alors, Stacy, elle s'est dévouée pour faire le repas de ce midi. C'est un pokéball, elle aime bien le faire. C'est cuisine asiatique, elle aime bien Stacy. Hop, c'est les mangas et tout. Hein, chérie? Hop là, youp. Je vais vous mettre sur le pied. Et puis on va s'installer. Du coup, j'ai pris mon petit papier avec. J'ai reçu. Je ne vous ai pas montré hier. En fait, ça avait été déposé chez la voisine. Mes seringues. Alors, j'ai pris des 20 centilitres. Ça me paraît grand, mais je pense que ça devrait aller. C'est pour mettre le sirop. Je vais faire des cosmopolitains. Et en fait, moi, dans mon cosmopolitain, j'aime bien rajouter du sirop de cranberry. Logiquement, il n'y en a pas dans la recette. Mais je trouve que c'est... Voilà, il manque de sucre pour moi dans ce cocktail. Il n'est pas assez doux. Donc, du coup, moi, j'aime bien quand c'est un petit peu doux, quoi, en fait. Pas trop alcoolisé et voilà. Donc je me suis dit que j'allais mettre le sirop dedans et qu'on l'injecterait directement dans les verres pour celui qui veut. Voilà. Hop. Aïe. Ça fait deux fois que je me cogne, mes orteils ils vont pas tenir je pense. Ce matin je me suis fait trop mal avec le canapé. Je me suis cogné le gros Jules. Donc du coup j'ai pris ma petite fiche invitation, donc j'ai mis la date, le thème, les invités, donc je vais mettre le nombre d'enfants et le nombre d'adultes. Au niveau notes, pour l'instant je note rien, mais par contre lundi quand je ferai un petit récap de ma soirée, je noterai dessus. Et en fait cette petite fiche, je la garde précieusement parce que l'année prochaine ou quand je réinvite, et eh ben je sais exactement, ça me redonne des pistes pour mes prochaines invitations. Je sais ce qu'il y a plus, ce qu'il n'y a pas plus, ce que je dois refaire et tout, je vous l'avais déjà expliqué cette semaine. Donc là du coup j'ai mis mes petites idées pour l'apéro, je ne fais pas d'entrée. J'ai mis pour le plat, pour le dessert et en autre, j'ai mis les bonbons. Pas d'Halloween sans bonbons. Hein. Et puis ici, j'ai trouvé deux petites animations à faire qui pourraient être sympas. Et là, du coup, organisation, j'ai mis vendredi, samedi, dimanche. Et en fait, quand je vois le repas que j'ai prévu, ça va être pratique parce que j'aurai pas grand chose à faire du coup lundi. Aujourd'hui, ce que je vais faire, donc c'est l'ajvar. Comme je vous ai dit, c'est ce que je voudrais mettre dans la petite verrine. On va aller faire les courses et je pense que c'est tout ce que... Je vais peut-être faire aussi la salsa parce que ça se conserve bien. Et voilà. Alors pour vous expliquer un petit peu au niveau du repas, je vais faire la soupe potiron avec une chantilly de fumée comme j'ai fait, ça passera super bien. Je vais faire des yeux avec du jambon cru de la mozza. Je vous ai fait montrer la petite image et je vous le referai montrer quand on le fera. Donc ça par contre je vais le faire à la dernière minute, je vais le faire dimanche. Donc je vais le mettre à dimanche. Je vais faire le pain araignée, donc avec l'ajvar. Le pain araignée, je vais le faire samedi. Parce que je veux qu'il soit un peu ferme pour facilement le couper et enlever l'intérieur. Il ne va pas être sec pour le lendemain parce que de toute façon on va s'en servir pour tremper dedans. Voilà, je vais le faire samedi. Il sera juste un tout petit peu moins croustillant, mais c'est pas grave. Donc le pain araignée, samedi. Et c'est là où il faut que ça soit bien noir. Donc je vais faire un pain classique, hein, mais bon, on le fera ensemble. Après, donc je vais faire ça avec l'ajvar dans le cœur, dans le ventre de l'araignée, en fait, je vais mettre ça. Et à côté, je vais sûrement prévoir... Alors ça, je vais peut-être l'acheter toute prête. Je sais qu'en Belgique, on en trouve souvent. C'est un houmous, mais de potiron. Autrement, bah, je le ferai moi-même, si j'en trouve pas. Donc, au pire, je vais le mettre à samedi aussi. Ça. Si je ne l'ai pas trouvé tout fait. Ensuite, chips tortillas avec la salsa et du guacamole. Le guacamole, je vais le faire à la dernière minute. Et les chips de tortilla, je vais acheter du coup des chips, mais je voudrais aussi faire, j'ai un emporte-pièce en forme de chauve-souris, je voudrais découper
des tortillas et les faire cuire quoi, en fait, au four. Donc, mais ça, c'est pareil, je vais le faire dimanche. En forme de chauve-souris. Alors, je vais faire un mélange des deux parce que j'aurais pas... Enfin, voilà, il faudrait que j'en fasse une quantité énorme. Et puis ensuite, il y a les boissons. Donc, les Jolo Shoots, ça, on peut les faire samedi. La cervelle de singe, c'est dimanche. Mais ça, c'est Greg qui va s'en occuper. Et les deux autres cocktails, c'est la même chose. Et je sais même pas si on va faire les deux, on va peut-être en faire qu'un, à voir. Le chili, du coup d'automne, ça je vais le faire samedi. Et les pains, je vais le faire dimanche. Le riz, bah, ça c'est dimanche. Et voilà, et ensuite les desserts. Alors les desserts, je suis encore un petit peu indécise. Je vais faire un gâteau au chocolat ensanglanté. Ça, c'est sûr. Des petites tartelettes aux pommes avec... enfin, je vais faire comme des tourtes aux pommes en forme de tête de citrouille. Enfin, je vais faire, vous voyez, deux petits cercles. Et le cercle qui va être au-dessus, je vais découper les petites formes de citrouille. Alors, du coup, le gâteau au chocolat. Je peux le faire samedi. Hop, et... et après j'avais vu des cupcakes cervelle, mais je sais pas si je vais les faire ou pas. Je vais les noter, je vais voir, mais je veux faire ma base de cupcakes, mais je pense que je vais les faire. Le gâteau au chocolat, je pense que je vais me faciliter la vie, je vais acheter un mix de chez Lidl et je vais le faire avec ça. C'est juste le sang en fait qui est au-dessus que je ferai. Et puis le cupcake, je sais pas, en fait. Je vais le faire normal, à la vanille, style 4 quarts. Parce que je ne veux pas faire tout chocolat. Ouais, je crois que je vais faire ça. Donc, je vais faire les cupcakes. Et par contre, les tartelettes, je vais les faire dimanche. Pour que ça garde le feuilleté croustillant. Alors, je dis tartelettes, mais c'est plus des tourtes, mais parce qu'il y a deux pâtes feuilletées. En fait, ça va faire un peu comme une... Je crois que je vais partir un peu sur l'idée de la galette des rois. Vous voyez, juste les deux pâtes feuilletées avec la compote de pommes à l'intérieur. Voilà, je pense que je vais partir là-dessus. C'est juste le visuel. Voilà, donc c'est bon. Nickel, tout est prêt. Tout est noté. Maintenant, il faut que je fasse ma liste de courses. Ça, c'est moins fun. Parce qu'il faut rien que j'oublie. Bah, alors... C'est fait, j'ai ma liste aussi de courses qui est faite. Je vais revoir avec Greg un petit peu parce que alors moi j'ai toujours tendance à prendre trop. J'ai tout le temps peur qu'il manque. Et du coup, je prends des quantités phénoménales et on en mange pendant 4 jours après. L'avantage, c'est que je ne dois pas faire à manger pendant 4 jours. En fait, je préfère que les gens sortent en me disant « t'as trop fait » qu'ils rentrent chez eux et qu'ils mangent un sandwich. Hein ? Hop là, allez, je vais aller donner un coup de main à Stécie. Donc il y aura juste, comme je vous ai dit, à revoir avec Greg avant d'aller faire les courses. Mais ah oui, non, j'étais en train d'imprimer ma recette de chili. C'est juste ça que j'ai oublié de mettre pour la liste de courses. Donc je vais juste rajouter ça. Puis après je vais donner un coup de main à Stécie pour continuer pour le bloc-cake. J'ai dit bloc-cake, c'est pas un bloc-cake, c'est un pokéball. Pas la même chose, Sandra. Hein. Bon. Allez, je note ça. Et puis, il va falloir que je fasse ma purée aussi de potiron. Je pense que je vais la faire samedi aussi. Comme ça, ça sera fait. Après, si j'ai le temps aujourd'hui, je m'avancerai un peu plus. Au pire, si je vois que, comme là, la purée de potiron, je peux très bien la faire aujourd'hui. En fait, je vais en faire des sachets. C'est les potirons que j'ai pris chez mes parents. Je vais en faire des sachets. L'année dernière, c'est ce que j'avais fait. C'est juste du potiron que je fais cuire à la vapeur et que je viens mixer. Je fais des sachets à peu près de la quantité en fait qu'il me faut dans une recette. Souvent, je mets à peu près 300 grammes.
Donc je fais des sachets de 300 grammes et quand j'en ai besoin d'un, eh ben je sors en fonction d'eux. Mais cette recette-là de chili, si vous ne l'avez pas testée, elle est vraiment très très bonne. Il y a du potiron dedans, mais ça passe inaperçu, mais ça apporte une douceur au chili qui est vraiment très 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 bon. Et il y a des épices en fait dedans. Et d'habitude, alors en plus c'est des épices à pain d'épices. Alors je ne l'ai pas fait depuis l'année dernière. Oui c'est ça, c'est des épices à pain d'épices. J'hésitais entre la cannelle, mélange de cannelle, mais non, c'est des épices à pain d'épices. Et ça c'est pareil, ça passe enfin, ça apporte le petit truc, ça passe pas inaperçu. En fait vous en mettez dedans et les gens goûtent en se disant mais il y a un truc dans ton chili qui le rend, voilà, super bon, mais j'arrive pas à deviner ce que c'est. Vous voyez le petit truc qui fait que ça change toute la recette mais que vous n'arrivez pas à savoir ce que c'est. Le petit ingrédient secret là. Et franchement il est top ce chili. Alors j'espère vraiment qu'il n'y en a pas qui vont me dire j'aime pas les haricots rouges. Bon ils les mettront sur le côté hein. Ils les retireront hein. Voilà. Mais logiquement ça passe bien. Allez c'est comme la bolo hein. C'est une valeur sûre en fait ça hein. Quand vous recevez du monde vous faites de la bolo et puis hein. On va croiser les doigts quand même parce que j'aime pas quand les gens ils me disent qu'ils aiment pas. Ben c'est pas que j'aime pas qu'ils me disent qu'ils aiment pas, c'est que j'aime pas parce que mais là je vais prévoir des pizzas au congélateur comme ça au cas où il y a quelqu'un qui me dit j'aime pas et ben j'ai toujours un substitut. En fait c'est pas qu'il me dit qu'il aime pas en soi parce qu'on a chacun ses goûts, c'est normal, mais c'est que j'ai pas un truc pour le nourrir à côté, vous voyez, et qu'il ressorte de chez moi en me disant j'ai faim parce que j'ai pas aimé. Donc non, il faut alors voilà, je vais prévoir des pizzas au cas où. C'est comme quand je fais des moules ou des trucs comme ça, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les fruits de mer ou qui sont allergiques aux fruits de mer. Les pizzas souvent ça passe hein. Nous il n'y a pas d'allergie autour de nous, c'est plus les goûts en fait de chacun et c'est dur à chaque fois hein, de tomber dans le mille et que tout le monde aime un plat voilà, donc au cas où je vais quand même prévoir de la pizza. Greg ne devrait plus tarder, j'ai toujours ce fichu bouton là. Alors j'ai jamais énormément de boutons hein, mais à chaque fois j'en ai un et à chaque fois il y en a un qui se place mal et là ça fait mal quoi, c'est comme ici, j'en ai deux mois, j'en ai un ici, voilà, à l'endroit où ça bouge tout le temps et où forcément bref je vais pas me plaindre hein. Pokéball, comme je vous ai dit la recette elle est sur le blog, c'est Stécie qui a fait l'aspirateur qui va, je suis désolée, c'est Stécie qui a pratiquement fait toute la recette. Allez, on va manger. On a fini tous de manger. On va aller faire les courses. On va d'abord aller chercher Kim. Elle voulait venir avec nous. Donc du coup, on va aller la chercher. On va y aller directement, on va là au champ. Puis on va revenir. Alors ce soir, je ne sais pas si je vais faire le repas qui était prévu. Parce qu'on va sûrement aller chez les parents à Greg. Profiter que c'est un long week-end. Donc du coup... ouais, on verra, mais je pense pas. Du coup, mais c'est pas grave, je le mettrai la semaine prochaine. Donc, je vous repartagerai la recette la semaine prochaine s'il faut, mais je vais quand même faire la jvar, parce que j'en ai besoin du coup pour demain. Mais je le ferai tout à l'heure en rentrant. Bon, allez, je vais mettre mes chaussures. On y va. On est rentré des Auchan. On a été à Auchan et on a été en Belgique, on a été à Intermarché en Belgique pour la viande hachée. Et en fait j'avais regardé à Auchan pour avoir des bonbons, comme je vous ai dit, bonbons, enfin voilà, Halloween sans bonbons hein. Mais ils étaient super chers et ce que je voulais c'était des bonbons qui faisaient un petit peu Halloween quoi en fait. Et ouais les prix c'était 5€ la petite boîte, ça faisait cher. Et ouais il y avait pas fort, et puis c'était des sures ou des trucs comme ça. Et en allant en Inter pour aller chercher ma viande hachée du coup en Belgique, il y avait des gros paquets de bonbons de 1 kg pour 3,59€. Donc du coup bah, j'en ai pris là. Alors j'ai acheté on a acheté un jouet pour Léo, j'essaie de lui enlever. Ah voilà, j'ai réussi. En fait ça se débranche et ça se rebranche. Lui acheter une petite voiture. Elle ne bosse pas encore. Hein. Tiens, regarde. Il y a Géry. Il veut que pour la voiture. Tiens. Je vais lui montrer comment on appuie. En fait, elle avance, mais il y a un petit fil. Les touches sont inversées. Les touches sont inversées. Oh, je sais pas, j'ai pas regardé. Regarde. Ah bah ouais, bon c'est pas grave.
Appuie là. Appuie. Il va trouver le truc. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on a pris à Auchan? Bon, je vais pas vous montrer hein, parce que c'est tout des. J'ai juste. Bah, il y a beaucoup. Il y a de l'alcool, déjà. On a pris des tortillas parce que je vais faire de la salsa. Je vous ai dit, j'ai pris des 3D aussi parce que je sais qu'ils aiment, qu'on aime bien. Pour les enfants. J'ai pris ça, j'ai pris du cheddar, des myrtilles, du riz, des avocats, des de fromage, des petites billes de mozzarella. Hop, ouais. Bon, après, on a pris aussi des sirops aussi pour faire de la gélatine, pour faire mes petites jello. Des sirops aussi pour faire les jello aussi. Des boissons pour les enfants. Du coca, et puis du coup, oui, à Inter, en fait, c'était les gros paquets. Oh là là, c'est lourd. Il y arrive alors ? Ouais. En fait, il y avait des gros paquets de bonbons comme ça. Donc, il y avait des petits serpents, des souris, des dents de Dracula. Je me souviens pas, on les avait achetés quand on avait été à Inter ou pas ? À Lidl la dernière fois ? Non. Je me souviens plus, on les avait pas pris. Hein. Il y avait des araignées. Et après, j'ai pris des bonbons papier comme ça aussi. Pour les enfants qui viennent à la maison, s'il y a des enfants qui viennent frapper. Je ne sais pas s'il y a des enfants qui vont venir ou pas. Tu vas aller ouvrir, papa ouais. Je me suis dit que des bonbons gélifiés. Avec la situation sanitaire et tout, c'était peut-être pas... voilà. Donc je me suis dit c'est plus... Enfin moi je sais que je leur ferai pas manger les bonbons de gélifiés qui viennent de personnes que je connais pas. Peut-être un peu plus les bonbons papier quoi en fait. Enfin voilà, je me suis dit qu'au niveau hygiène ça. C'était un peu plus... Et ça c'est les meilleurs. Ouais, mais tu peux pas. Dommage. Dommage. Bon allez, on va ranger tout ça. Hop. Alors t'arrives chérie? Ouais! Ouais! Appuie sur le bouton! On a tout rangé. On va attendre un petit peu. Puis après, on va aller chez les parents à Grès, comme je vous ai dit. Du coup, en fait, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Je voulais préparer l'ajvar. Et puis, j'avais dit quoi la salsa? C'est pas grave, je le ferai demain matin. Ça va aller vite. C'est avec le MCC. Donc, ça va vite. On va aller voir papy et loulou. Un papy, un loulou qui râle. Il y a un gros rhume, loulou. Hein, t'as un gros rhume. Comme son papy. Comme sa mère. Comme son papy. Comme votre mère. Bah, je tiens quelqu'un, soit par contre. Attention. Oh, 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 attention. Qu'est-ce que tu fais? Hi-ha! Hit-da-da-papi! Wow! Oh! Un gros filet de bave! Ça fait rire! Et ça fait rire! Il se regarde dans le retour écran en fait. Et Picron, c'est qui le pirate? C'est qui le pirate? En fait, il y en a un à foutre de ma gueule. C'est qui le pirate? Il se regarde dans le retour écran. C'est qui le... Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, papy? Ouais. Il fait quoi, papy? Il fait des bêtises. Ah non, ça, j'aime pas ça. Hein. Il y a un gros rhume, encore une fois. Avec ses dents. Hein, les vilaines dents, là. Bon. Moi, je vais commencer à monter la vidéo, je pense. Comme ça, ça sera fait. Hein? Hein? Aïe. Pirate. Il essaye de se mettre en position quatre pattes maintenant. Aïe! Aïe! À mon avis, il va plus tarder. Hein. Aïe! Parce que là, il essayait de suivre avec sa voiture. Il était en position quatre pattes. Et après. Pff, quoi? Une princesse, c'est pas des exemples d'avril.
Pourquoi tu dis ça? Aïe. Bah un Halloween, tu peux te déguiser, peu importe si bah c'est oui. pas forcément c'est voilà, c'est être déguisé. Déguiser, c'est pas forcément horreur. T'es, y en a. Y en a un qui bave là parce qu'Angel il mange ouais. un truc. Il y a Marley, il y a les filets de bave qui. Oh là là, il y a plus rien, Marley, il y a tout mangé. Oh putain. Hé Angel, t'es beau. Bon allez, moi je vais commencer à monter la vidéo. Ouh, une babaille. Bébé, bébé. Tu la veux? Je suis en train de hurler dans mon corps intérieur. Ouais, je vais commencer à monter la vidéo, comme ça j'aurai pas le faire trop, j'aurai pas trop de travail demain matin. En attendant qu'on s'en va. Parce que demain je vais avoir une belle journée quand même qui m'attend. Demain matin je vais essayer de clencher tout ce que je veux faire. Et comme ça après, on pourra profiter. Parce que j'ai envie quand même de profiter mon week-end. J'ai commencé à monter le vlog. Greg est en train de jouer. Il profite. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux, tu veux, tu veux. Hmm? Fait vite noir maintenant. Hein? On change d'heure dimanche. Faut pas oublier. C'est dimanche soir ou c'est dimanche matin? Non, c'est samedi. Samedi à dimanche. Samedi à dimanche. Non. Oh, t'es lourd, dis donc maintenant. Pouh, attention, je m'assois. Attention, attention, attention. Attention, hop là. Mais il a éteint, mais... Oh, c'est bête. Oh, c'est bête. Éteins pas. Mais si, allez, on va y aller. Ah, c'est quoi qui, c'est quoi là? C'est quelle chaîne? Family? C'est ce qu'on regarde avant. Non, c'est un truc d'Halloween. Bon, ils sont... Si, mais non, oh là là. En fait, il doit faire des gâteaux, mais on perd du temps. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que... Oh, t'écrases par un. On écrase par un. Oh, on écrase par un. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je t'entends, il contrôle. Non, il arrive pas à le manger celui-là. Il arrive pas à le manger celui-là. Attends, je vais te poser. Je vais Marley, attention, 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 attention. Qu'est-ce qu'il a vu, Marley? Il a vu la babale, Marley. Il fait quoi, Marley? Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Marley, il a peur. Elle a peur. Ouais, je lui ai fait peur. Il a quitté. Ouais, c'est pas mal ça. Il s'est sauvé. T'as acheté quoi, toi? C'est un beau choix. Bah, il faut le mettre à la poubelle. Mon téléphone a disparu. Oh, c'est ballot. Il me l'a volé. Ah, c'est qui a volé le téléphone de Para? C'est qui a volé le téléphone de parrain? C'est Léo. Il est vraiment disparu en plus. Ça va, tu t'en sors? Et non, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, lui? Avec ton gros bidou, là. Hop. Tu vas voir? Un gros bidou, un gros bidou. Ah, il est plus gros que la dernière fois, non? Oh, bah ouais, il est plus gros que la dernière fois. Il va être de plus en plus gros. Oh, attention. Qu'est-ce qu'il fait, Marley? Il est plus gros qu'avec celui de Léo. Il fait quoi, Marley? Quoi? Ouais, c'est des gros chaises. Ouais. Il y avait encore de la place dans le bidou, il était déjà formé le ventre, alors il a vite repris sa forme. Tchoukou, tchoukou, tchouk. T'es beau, petit. C'est un petit nounours. Tu tapes, mamie? Ouais, il y a Léo qui est là. Mais j'ai coincé. Bah ouais, mais je veux pas que tu tombes, alors je te coince. Et puis, j'ai gardé en petite taille pour Noé. Ah ouais, comme ça, ils ont le même. Ouais. Adada sur parrain, adada sur parrain. Bon, ça va. Allez, on y va nous. Tu y vas? Ouais. Bon. Tout de suite. Tchuss. Oh, pardon. Ah, c'est ça quand on regarde pas les gens, on regarde sa caméra. Voilà. Je l'ai éborgné. C'est pas grave. On dirait que c'est Halloween. Au petit cœur. Dis au revoir à mamie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, on y va. À dimanche. Bon allez, moi je vais faire un petit rangement. Et puis parce que je sais pas, mais quand Kim vient, après à chaque fois il y a le bordel de partout. Ouais. Je sais pas comment ça se fait. Allez, bisous. À dimanche. Bah non, à demain. Ouais. Voyez, ouvert ton sac. Hein? Tu me téléphones demain sûrement? Non. Je fais un petit peu.
petit rangement, il y avait joué du petit qui traînait, c'est tout. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais vous laisser là pour maintenant. On va se revoir demain. Parce que de toute façon, là, on va partir. Je ne filme pas chez mes beaux-parents. Donc du coup, ça rien, je vous prenne avec. Et puis en rentrant, si on rentre... Enfin, on va manger un truc sur le pouce et encore... et puis et encore comme je vous dis parce qu'il y a des moments où on mange chez les beaux-parents donc voilà on va chercher peut-être un truc à manger ou quoi donc on va profiter de cette petite soirée et une fois qu'on sera rentré ça va être vite dodo je pense hein. Greg a quand même sa semaine dans les jambes comme on dit et souvent il est fatigué le vendredi soir. Bon allez, je vais vous laisser, je vous fais des bisous puis je vous dirai demain. Demain on attaque les préparatifs, on va être dans le vif du sujet. Mais n'empêche, il y a des trucs où j'ai hâte de faire. J'ai hâte de faire mon pain araignée pour voir si j'arrive à le faire. Les jello. C'est la première fois que je vais en faire. Et je suis curieuse de voir la texture et tout, que ça peut attraper et tout. Et je pense que je vais mettre un petit serpent dedans, comme je vous ai dit, un bonbon là, serpent. On verra ça. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?